À part en photo, on ne trouve plus cette gamme de café chez les distributeurs. Le café au Négrillon a été fabriqué à Saint-Étienne par la famille Chapuis. Mais devant les vives réactions, la production a été arrêtée. Le mot Négrillon, ça choque, ça interpelle, ça interroge. Ben, par rapport au nom du café, là, surtout il y a une petite camionnette avec le dessin encore. Après, je trouve normal que ça puisse vexer certaines personnes. Et puis on est en 2018, donc faut évoluer. Ce sont de nombreux internautes qui ont fait part de leur émoi et de leur stupéfaction début août. Après avoir vu cette gamme de café dans les supermarchés Auchan et Casino, les lanceurs d'alerte ont alors saisi le CRAN, conseil représentatif des associations noires. Aujourd'hui, ça questionne en fait sur le débat, un débat qu'on doit tous en voir, sur l'héritage, notre héritage commun, et comment est-ce qu'on le questionne. Si en effet, ils ont hérité de ça en 1945, à une époque où ces choses-là se disent encore, aujourd'hui, eh bien, il faut questionner tout cela. Questionner tout cela, ça veut dire qu'il faut aussi faire de la prévention, et il faut aussi reconnaître qu'il y a des choses qui ne sont plus acceptables, donc il faut avancer. Les cafés au Négrillon existent depuis près d'un siècle. Le Négrillon était la raison sociale d'une épicerie fine rachetée par la famille Chapuis en 1945. Cela fait donc trois générations que l'appellation existe. La PDG n'a pas souhaité faire d'interview. Elle s'est en revanche exprimée via un communiqué. Il ne s'agit en aucun cas de blesser ou de revendiquer. Cette appellation est une marque qui représente pour nous une vie, une histoire. Devant tant de polémiques, ce produit va être retiré de notre gamme. Par exemple, nous savons que Madame Chapuis, nous savons que ce café Chapuis a un musée. Voilà, ça c'est une très bonne piste. On peut imaginer que, par exemple, dans ce musée, il y ait une partie qui soit réservée à l'explication de ce qu'était la production du café. Aujourd'hui, c'est le mot Négrillon qui choque. Hier, c'était les gâteaux Bamboula et les pâtisseries Petit Nègre. Le CRAN avait aussi été saisi. Les noms avaient alors été retirés.